Esprit, c'est ça que fait dans la Bible. Certaines fois, ils ont utilisé les mots âme ou bien l'esprit. C'est ça dépend du contexte. Là. Et nous gagnons quelque chose que nous prenons. La psyché li signifie âme, vie, esprit. C'est-à-dire, lorsque écrivain ou bien traducteur, disons, ça dépend du choix. Li gen doit utiliser esprit, li gen doit utiliser âme. Parce que dans la langue originelle là, ou originale, ça nous a dit, eh bien, li vle dit vie, li vle dit âme, li vle dit esprit. Et c'est de cette façon, eh bien, certaines fois, mot esprit utilisé n'en place âme ou bien âme utilisée. Mais ce qui est important, c'est ça que fait ça qu'on demande en pile recherche, parce que ça qu'on a besoin, ce n'est pas l'esprit ou besoin, la donne. Il y a un serviteur qui est les États-Unis, qui t'a demandé moins, alors qu'ils font recherche, ça le joignant, moi dit c'est poussé pour le pousser recherche là. Ou bien doit font recherche, définition ou joignant, dans contexte où il y a définition là ou c'est pas ça, c'est une vraie définition parce que yon mot li gagne plusieurs définitions tout dépend des contextes là. Qu'on y a maintenant lorsque c'est pas ça ou joignant ou à chercher définition en contexte. Certaines fois, pour jouer sans besoin, lui demander pour aller dans l'origine moi, lui demander pour jouer sans besoin, certaines fois, c'est dans l'adjectif moi, c'est pas non, etc. C'est ça qui fait le travail de recherche, c'est pas un travail qui petit. Ou bien, si ou seulement tu as besoin de définition tel mot, et bien, on joue une définition, ou pral ouais, ça ou pral dia, ou by définition mot à chercher ya, mais qui pas dans contexte sa moun attendre. Elle dit mais et comme si vous dites des bagages différents mais pourtant c'est non et bien et définition qui ba ou et pour pas pousser définition. Maintenant non et esprit et âme le fait que gen une fusion qui fait entre esprit âme bien que c'est et deux personnalités distinctes parce que yo pas le même rôle dans la vie de l'homme. Eh bien maintenant, mais yo convine fait un seul l'esprit avec âme. Par exemple, lorsque l'esprit a li régénéré, li influencé l'âme et ou pral wè sacré les alliages ou bien relation qui gagne entre l'homme nan même en soi, li influencé le corps de l'homme aussi. Et c'est pourquoi on te dit que ou pas besoin apaiser kou moun dit le comporter ceci, comporter cela. S'il traitait à l'intérieur, depuis qu'il traitait à l'intérieur, il pral extériorisé. Mais depuis le traitement parfait à l'intérieur, par exemple, un monde qui mettait mon nom conformiste, mon nom conformé par rapport à l'église, etc. Et mais l'elle quittait l'église, il déconformé parce que c'est parce que il conformé par rapport à l'église ou bien principe l'église. C'est avec les conformés. Et c'est ça qui fait tout ça wap di mounan pour le conformer. Qu'on y a ou besoin bali la parole de Dieu et puis ou mande pour le conformer ensuite. Mais c'est pas conformer et puis peut-être la jeune parole en route, mais c'est conformer mais selon la parole et même si c'est l'esprit parole. Parce que gen des bagay, c'est pas parole qui textuelle, mais c'est l'esprit de la parole. Eh bien, yo kon mande mounan et puis yo expliquer à partir des textes, mais c'est pas exactement ça. Voilà, certaines fois dans la Bible, le mot âme désigne une personne. Par exemple, Ézéchiel 18, verset 4. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ici, là, c'est comme âme signifie une personne. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La Bible a établi nettement la notion de la diversion, de la division, pardon, tripartite de l'être humain dans Luc 1er, verset 46 et 47, et je cite. Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit
se réjouit. De ce fait, nous voyons c'est dans même passage là, c'est deux mots qui utilisent mon âme exalte le Seigneur, mon esprit se réjouit. Et bien, il doit dire mon âme se réjouit aussi. Il doit dire mon esprit exalte le Seigneur. Il doit dire mon esprit se réjouit. Mais maintenant, il dit mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit. Alors, comme nous te cité déjà dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il parlait de notre être, c'est-à-dire de l'homme qui constituait de trois parties. Maintenant, Hébreux chapitre 4, verset 12, il dit car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants pénétrantes jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments. Si naturellement l'homme pas qu'à décanter l'esprit et l'âme, mais la parole de Dieu capable de faire cette décantation en ce qui concerne, parce que dit la parole de Dieu est puissante pour lui traverser l'esprit et l'âme, jointure, moelle, etc., etc. C'est-à-dire là, ici, pour montrer la puissance de la parole qui est capable de faire ce travail. Mais est-ce que ces paroles-là qui viennent en termes comme épée, qui ont ouvert mon débat? Mais non, la parole de Dieu, elle a atteindre. C'est dans le sens, parole, bon Dieu, elle arrive dans le cœur de mon s'il quitte l'entrée, s'il pas fermé, parce qu'elle dit, m'a frappé, si nous ouvrons, m'a entré, si nous pas ouvert, elle pas entré. Eh bien, elle entre, elle est ça, elle fait travail. Ça ne tape dia. Lorsque mon âme naît de nouveau, et la nouvelle naissance, c'est on l'évangile qui a parlé, l'embote qui existait, l'a parlé jusqu'à ce que l'avènement de Jésus-Christ. Et c'est on l'évangile qui a jamais dit l'évangile la nouvelle naissance. D'ailleurs, cet évangile, c'est l'évangile qui commençait la vie spirituelle de l'homme. C'est-à-dire, si l'homme n'a pas régénéré, comment l'œuvre de la régénération? N'a pas fermé tout de suite parce que sinon ouvrez la bouée non l'autre côté. Lorsque l'esprit, c'est dans l'esprit l'homme dans l'irrégénéré. C'est-à-dire l'esprit le renouvelé. L'elle dit si mon en Christ elle vient tout dans l'autre monde, bagaille longtemps passé si bagaille nouvelle, et bien c'est même mon en ouais parce que la réaction de l'homme pas extérieur. Ça l'homme n'a fait dans mode de ville dans bamboche l'homme là, c'est pas extérieur, c'est pas rester l'aller. Mais c'est l'esprit le cap menel. Maintenant, lorsque l'esprit ça renouvelé spirituellement, eh bien qu'on y a l'ivine, y a une nouvelle créature. Et bien maintenant, l'âme de l'homme, eh bien, l'ivine régénérée. Les pensées du cœur, ces versets confirment. Alors, nous pas de fini phrase là. Et ces versets confirment que l'homme a été formé de deux éléments différents. Un corps formé de la poussière, de la terre, et un souffle de vie provenant du ciel, entre parenthèses Dieu, et l'homme devint une âme vivante ou un être vivant selon Genèse chapitre 2, le verset 7. Lorsque Dieu souffle, dans la narine de l'homme, le souffle de Dieu, l'homme devient une âme vivante. Si m pa ta gen tan fin di tout ça m'a dit yo, nous gagnons pour nous voir que différence qui gagnent entre bête là, parce que yo dit là yo parle animal li ka moun ni ka bête, parce que nous gagnons similitude entre nous et animal. Et bête cheval, etc. Nous avons ressemblance dans sang, dans chair, nous avons ressemblance. Mais yon nan bagay bête yon pa gen yon même. Nous avons dit ça. L'homme, li pa gen l'esprit de Dieu. L'homme pa gen, alors pardon, bête la pa gen l'esprit de Dieu. Et c'est la différence, l'homme chair. Yo di moun manje moun, ou pa jam konnen. Yo di moun yo fè ki sa sa sosis, ki sa sa moun. Se chè liye kon sa kwa lou sa. L'homme gen sang,
l'homme boit de l'eau, l'homme vive à la manière, et ou pral une série de bêtes qui gagne en pile intelligence. En pile intelligence. Mais bête là pas gagné, ça bon Dieu te soufflé dans la narine l'homme. C'est-à-dire lorsque Dieu souffle dans les narines de l'homme, il dit l'homme devint une âme vivante. Un corps et des valeurs spirituelles, l'âme et l'esprit, la partie centrale de l'être humain qui assure la liaison entre l'esprit et le corps. L'âme, c'est l'âme qui assure la liaison, comme nous t'ai dit, alors, entre l'esprit et le corps. L'âme joue le rôle central. Et c'est très, très important, le rôle de l'âme dans le corps. Et plus tard, nous prenons lorsque nous n'avons pas en état, et ça nous veut le bras le faire, et ça nous besoin mettre en tête, non? Tant que le monde qui a marché par les monde mal, ou te mettre par les mal, ça qui a fait là, ce n'est pas le monde. Parce que ça pour le monde, depuis le monde, le mal prend. Alors l'homme a une réflexion, il est capable de briter, c'est le monde, il est raisonné, il est capable de tendre, il a une conscience qui prend. Mais en ce qui concerne péché, prison, pas traité péché. Bâton, pas traité péché. Jouer, pas traité péché. Parler mal, pas traité péché. Parler doucement, gentil à moun, pas traité péché. Parce que péché a son venin qui dans l'homme dans lié. C'est lorsque l'homme nan joue un médicament qui est approprié à maladie péché. Quel médicament? C'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est capable d'aider l'homme. Et ça fait quel que soit mal, mon enfant, forcément de bon Dieu grâce pour pas agir mal avec tout. Parce que ça l'a fait, et vraiment, c'est pas lui. Nous sommes avec moi. Parce que lorsque l'homme n'a pas régénéré, il est capable de décider, parce que nous t'es pas allé autour, ça crée le subconscient de l'homme. Ça faut pas le monde qui éduqué, l'élevé, l'essai un monde qui sauve le cap d'homme. C'est-à-dire, il est une éducation, c'est pas monde qui parle l'aide, c'est pas monde qui bagaille. C'est monde qui il gon paquet bonne chose dans lui. Parce que mais ça l'homme n'en recevoir, le milliard sur l'homme, pas gain à sortir de là. Pas gain à sortir dans ce qui concerne milliers agir dans l'homme. Si vous voulez garder dans quartier populaire côté grand pile banditisme, mais garder ti moun qui levé, ça ne veut pas dire, yo dit certaines fois il y a des pelles dans des corridors. C'est-à-dire au capable dans mi-temps côté bagala, mais on va faire une exception. Mon pral garder majorité c'est bandi à pied. Et garder dans quartier côté qui pas défavorisé, ou a toujours une exception, et mes exceptions ça c'est contraire. Ou a une exception bandi, mais majorité c'est moun qui plus ou moins formé. Mais ça a besoin qu'on ait moun qui pas traité par l'esprit de Dieu, c'est des sauvages endormis. Moun qui pas traité Jean ou li sage, Jean ou li bon moun, li supportant, li pas rentrer dans faire moun, li pas parler faire moun, li calme, dit moun bel bonjour, li aide moun, li bon moun. Bon moun. Et c'est ça que fait le moun ça régénéré, li gen doit pas fonctionner, li pas réagir tant comme. Et ben nous va dans. Moi même te gon mode de vie en l'air. Li même te gon vie peut-être 1, 2, qui méthodique, etc. L'elle vient régénérer, elle toujours bénéficier de ça. Moi-même, moi toujours gagné héritage et vie. Maintenant, en termes de fonctionnement, réaction, etc. Mais, moun sa qui pas régénéré, qui dans le monde, ou bien qui cap vive, qui te doux, qui te bon monde, c'est un sauvage endormi. Li capable faire yon action devant ou pas ta jambe ka imagine et comment le sel fait que li pa régénéré. Okay.
Ça veut dire que l'œuvre de la régénération ou bien la nouvelle naissance, et c'est ça qui a doté l'esprit de l'homme et qui a chance à l'homme dans qui l'âme, la Bible parle, et permet qu'on y a l'homme qui vient bénéficier parce que c'est l'esprit qui amène le corps. Ce n'est pas le corps qui amène l'esprit. Quand on voit l'homme dans le bras, ce n'est pas le corps qui mène là. C'est l'esprit qui mène. Et ça fait depuis l'homme dans l'esprit, pas bon. Alors, la Bible dit l'homme devint une âme vivante, personnalité. Alors, une personnalité, caractère, volonté, intelligence, sentiment, tout cela fait partie de l'âme. Je reprends. Personnalité, caractère, volonté, intelligence, sentiment, ça y fait partie de l'âme. Maintenant, à la nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu vient à notre esprit pour certifier que nous sommes enfants de Dieu. Dans Romains chapitre 6, verset 16, l'âme et l'esprit de l'homme sont venus faire fusion. Dans le sens que l'influence l'esprit fait sur l'âme, non? Eh bien, c'est l'âme qui porte parce qu'elle a une volonté, l'esprit, sentiment. Et mais qu'on y a living agi. Ça veut dire là au camp et wapan de moun en fait ça sans que li pas régénéré, c'est comme on dit la mer ou la trop longtemps et puis des tigren ou bon la mer ou di wap combler. Chaque sorvoyo ou connaît c'est comme wap combler. Pourtant chaque sorvoyo li disparaît. C'est comme moun wap mandé faire une série de bagay ou bien c'est moun k'ap lave kayte. On va connait ça kayte. Et vous dites, vous prenez un mois pour, vous mettez de l'eau dans. Non, c'est Cassandre qui va consacrer les caïtères. Maestro a expliqué la caïtère. Même si Maestro n'a pas de caïtère, mais il va y aller comme ça. Oui, mais moi-même, oui, Maestro a expliqué. Ah, oui. Il y a l'autre monde qui va consacrer les caïtères encore. Dovani Amanda va consacrer lundi caïtère, il va consacrer. Hein? Et ça qui caïtère? Oh, bien qu'on ait kaïté. Quel est ce que nous avons fait kaïté? Ok. Ok. C'est sacré, c'est laver ou laver kaïté. Quel autre? Ça veut dire que si l'esprit de l'homme, si l'homme n'a pas régénéré, ou a gouma avec pour faire ceci, et d'ailleurs, l'homme n'a pas obéi la parole de Dieu. Si l'homme n'a pas régénéré, il a posé quelques actions. Et c'est pourquoi ou aime gagouiller comme ça. C'est un bagaille qui est contraire à le sentiment. L'a fait quelques bagailles. D'ailleurs, même dans la parole de Dieu, même pour mon dé, il y a un bagaille qui n'a intérêt. Qui intérêt tout naturellement. Ou ka di moun yon bagay? Bien rapide map do yon. Ki les moun ki va amen moun ede yo? Hein? Ki les va amen sa? Amen ve nou pa amen. Moun même besoin. Moun si même tout moun ede m chak yon da content. Ça veut dire, la parole de Dieu, certaines fois li nan intérêt, même moun nan l pa konverti. Et mes paroles sa l pa gen problème avec. Mais gen yon paquet l'autre parole qui mande le comment pour le vivre, il vit non loin. Li vin pa ka obéi loi ça parce que pour l'obéir loi faut que li gen une loi nan kèl pour obéir la loi de Dieu qui la loi de l'esprit qui habite elle qui vin mandel pour obéir à la loi de Dieu. Maintenant ou pral wè mounas koun y a li même il senti nécessité pour le faire fort pour obéir à la parole de Dieu parce que la loi de l'esprit écrit nan kèl. Dans Luc chapitre 12, verset 16 à 21, nous sommes capables de lire ça et dans la Bible. Si on m'en lit pour nous, parce que c'est un peu long. Nous ne pouvons pas noter tout. Luc 12, verset 16 à 21. Dans la Bible française ou bien? Dans la Bible française. Et on m'en prend acte 7, verset 59. Ça, c'est l'écoute. Sur la réforme, ça fait mener dans le micro. Luc chapitre 12, à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. Et il leur dit cette parabole.
les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte ?» Et voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Amen. Alors, c'est pour contexte, nous faisons lire tout passage là, oui. Et puis, dans Acte 7, verset 59, nous avons deux personnages. L'homme riche se réjouit. Il dit non moins réjouis ou gen pile bagay pour manger ou gen bien ou gen tout bagay sa yo réjouis. Pendant a plapide Étienne dit Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Qui ça me veut ouais n'a pas ça ici. L'homme irrégénéré plus en accord avec l'âme. Il y a plus parlé de non moins pas oublier. Nous t'as dit où c'est la volonté, l'intelligence, et bien ou émotion, l'âme. Et mouche ça, si nous t'as d'accord expression ça, mouche ça lui-même lui dit non moins réjouis ou parce que ou gen quantité manger pour manger. Et Christ dit lui-même si yo mande insensé, si yo mande pour nan mon jodi a, qui ça va faire? Alors Étienne le lapide Étienne dit même Jean Jésus-Christ te dit Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Mais bien-aimé, nous besoin mettre accent certaines fois mais qui ça l'homme fait? L'homme mette accent sous le corps. Manger, est-ce que nous capable manger? Oui, nous besoin manger. Habiller, reposer, etc. Tout ça, loisir, tout bon. Parce que loisir, manger, habiller, pas oublier qu'on relation entre corps, l'âme, l'esprit. Yo pas vivre sans l'autre côté l'amour, côté corps, côté l'esprit. Qu'on relation, yo interconnecté. Une corrélation entre l'âme et l'esprit, cela veut dire que l'on repose li bon pour l'esprit ou l'on repose li bon pour corps, li bon pour namou. L'on mange li bon pour corps, li bon pour namou, li bon pour l'esprit ou l'on fait loisir, li bon pour corps, li bon pour namou. Maintenant, lorsque l'homme régénéré, li pas pensé seulement avec le corps. Li pense à son âme généralement. Il va dire penser à l'esprit, non? Penser à son âme. Parce que automatiquement, l'homme dans l'irrégénéré, li vient capable de garder la communion avec Dieu. Personne moun pas ka garder la communion avec Dieu s'il pas régénéré. Communion avec qui l'est? S'il pas régénéré, li pas ka gagner communion avec Dieu. Maintenant, lorsque l'homme nan gen relation avec Dieu, Livin capable de traiter colis. Et c'est pourquoi dans le Corinthiens 9 là, je crois verset 27, dans le verset 27, pardon, il dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté qu'après avoir prêché aux autres. Maintenant, l'Esprit de Dieu qui est dans l'apôtre Paul là, il bail Paul capacité pour le dompter, quoi, l'aile, quoi, mander, lion bagay, il connaît la cognan, non, c'est pas l'aile. Lèl di m traite il nan kreyòl a di m traite il di m balyon lòd sévère
Tandis on l'ordre sévère li bay quoi. Maintenant, li quitter l'esprit de Dieu et de diriger quoi. Li pas seulement quitter quoi mais il sent ton sentiment, sent ton envie et puis il peut aller mais l'esprit de Dieu aide le mener quoi. C'est ça que fait la vie chrétienne pas qu'à personne monde. Ou te mettre well, regardez, il te met teki là haut. Nous comme ça que les teki là haut, nous pas content d'ami céleste. Il te met à teke la ou, ça c'est blague. S'il pas né de nouveau, et c'est ça que fait, ou pas prendre du temps pour fonctionner en monde qui sous forme ou pas sauf sous moun, pas gen l'esprit de Dieu. Le ou moun dit là, li capable rete, et puis li gade, un exemple ma pren courant, li dit li ouè moun sa, la vive, nan famine, plus ou moins. Li gon base. Li wè moun sa la briye. Bon, ma pon exemple ki kle, certaines fois on reme pa la tout bouche mwen. Bon, si mdou, si wè m di tel moun, c'est bon moun ki la briye en pile ou bien si la briye la konn sa la fè, pa bezwen di mandi. Mwen wè li. Bon, le wap di wè la moun a menm ap di mais ki jan? Ou di moun sa li pa gen depuis m'a font ti temps m'a et pa ouais m'a marcher dans la rue ouais moun ki gen kon. Non mais m'a fait temps m'a vivre avec n'a fonctionné non dans l'église chrétienne lumière dès pou ta prendre là arrêter mou di men tel m'a et pa comme ça m'a prêté di anse kon ba bon bâton hein? M'a di un tel son ba un tel va souvent ça nous peine nous connaît parce que pas arrêter moi nous pas besoin père qui ça lié m'bra le ban élève qui fort automatiquement li on élève li pa men kon ki l'école li sorti non on démonstration li bal yon livre chimie là on démonstration le rali tableau ri il fait li dit ouais un tel bon ba un tel li comprend ni depuis démonstration ça li fait a seulement li gen temps ou on bagage et ça fait professeur depuis bien professionnel. Li gen tan li font ti parler, li font ti tande tout moun. Li gen tan plus ou moins. Ouais, c'est ça moun yo pa comprendre. Cela veut dire que ou te mette pasteur, ou te mette leader, ou te mette frère, ou te mette sœur. Yon moun ki attaché dans la prière, qui attaché dans la communion avec Dieu pendant la vie avant li ou pas dans communion. Parce que gon seul esprit. Ou son mais comment li même ou yo radoté comme ça? Li ou son radoté. Li découvri parce que pas gagner d'esprit, c'est l'esprit de Dieu qui gagne, qui mande, li font ti temps avec, li font ti temps la caillou. Li gade. Li wè. Ou les mettre di lou la, il va pas la prier. Ça on fait 15 jours quand on, bah ouais, c'est peut-être moi pour la prier. Pas même ça. Il doit même prendre pipe pour la prier parce que m'te dans mon côté mon même et veille de nous le besoin faire. Pourtant il va dans les lui. Moi besoin d'homme, moi sans mon honnête, moi yo mon ben fait veille tellement souvent, moi besoin d'homme. Formalisme. Gagner monde, c'est ça lié. Mais lorsque mon en régénéré vrai et l'œuvre de la régénération mes bien-aimés, c'est plus gros miracle qui a fait dans la vie au monde. Plus gros miracle qui a fait dans la vie au monde, c'est les mon en régénéré. M'a fermé parenthèse ça, m'a pouvri le m'a fermé. Qui ça veut dire? Mon tête est même mon. M'a levé on ne peut plus. Peut-être ça pas tout détruit à la seconde. Mais li tellement gon, li fait un coup 90 degrés. Pas ta imaginer. Yon mon hier après-midi ou té wè li. Nan, peut-être dans tout détail li après-midi a. L'a crié sous détail li t'a fait hier. Li raï ça t'a fait a. Li gen problème ak sa l'tap fè a jodi a et c'est même moun bon même rad la rad sou li a dwa pou ko lave ou ta ka imaginer un bagay comme ça veut dire lorsque moun en régénéré c'est la même personne et c'est ça qui fait li capable ça qui à l'intérieur capable extérioriser ou te mettre gouma moun an di moun en ranger ceci di moun en ranger cela tout autant li même ni pa wè lumière pou le prendre vraie décision et c'est ça qui fait même tande moun vin Canada c'est blague moun an di Canada l gâté. Ça qu'on permet mon en faiblesse,
les mauvaises compagnies comblent les bonnes mères. Il y a un monde qui te manque maturité et mais qui vient au Canada, qui te connaît, qui te besoin de corps et puis le voit côté le travail et puis il fourre tête. Mais l'esprit de Dieu a balontek. Parce que l'esprit de Dieu pas balontek, li tapito un boss païen ou bien un monde qui païen. Mais m'amni pour le réveiller côté lié. Affaire dit c'est Canada, États-Unis, il vient ou elle touche ou bien la vivre n'importe comment. Non. Li te gon problème fondamental, li t'a vivre dans toura côté il t'a vivre là et puis il kembe forme là. Mais lagé depuis tout paraît tout lagé a, non, li te gon problème. Parce que la vie bon Dieu qui dans li a, li vient Canada avec elle. Ça bon Dieu bali comme cadeau, li vient avec elle. Et ça fait l'olvin Canada, on va acheter. Il n'est pas achetable, il n'est pas vendable d'eau. Ou bien on dit, il fait vini. C'est immigrant qui fait vini. Immigrant. Autorité, il n'est pas ton supérieur dans l'ouab dit immigrant qui fait vini. Il n'est même pas nous parler. Il est déjà, il est analysé, il est en ouais, ou te met dit c'est gros chrétien, il est en ouais. Parce que si tu comprends à qui il est sous ta parole, ce n'est pas qu'on sort à traiter. L'aime dit comprendre, c'est pas un thème de gros nom, mais l'esprit de Dieu pour toi, mes bien-aimés, c'est un gros bagaille, parce que c'est plus gros miracle qui a fait dans la vie. Plus gros miracle qui a fait dans la vie au monde, c'est lorsque nous sommes dotés par l'esprit de Dieu. Et c'est ça qui empêche le fait d'être. Depuis ouais mon ou mettre ouais mon regardez, depuis l'esprit de Dieu pas dans lui, c'est normal pour faire raquette. Ou pas besoin de parler le mal, c'est ou cap on va parler mal pour grand merci. D'ailleurs, ça n'en lié. Qu'aucun esprit, qu'aucun n'en lié. Lui seulement développé là, lui dans l'église. Développé dans l'église là. Parce que son mauvais esprit n'en lié. Elle besoin l'argent. Et puis, lui joint d'ailleurs, lui gen doit ouais, lui pas voler, la fait bon comme. Lui gen doit ouais, lui joint une fille, t'es besoin fille. Lui gen doit un paquet de bagages qui fait politique dans l'évangile, tout ça. Moi, fait béni, mais c'est pour me dire que c'est extrêmement important lorsque l'esprit de l'homme ni régénéré. Alors nous avons deux personnages. Yon pral mouri, li parle, Seigneur, reçois mon esprit, je remets mon esprit entre tes mains. Et l'autre païen qui s'al fait, la réjouit nan ni de ce qu'il gagne en pile bagay pour le manger. Qui s'al y l'homme irrégénéré pas prend l'autre plaisir l'autre côté. Qui n'en sait bien, n'en manger. Bon, comment vous le dire? C'est normal. Et ça fait peut-être mon an, quelquefois sent-il à l'aise, c'est parce qu'il y a un peu le moyen. Est-ce que le moyen n'est pas bon? Est-ce que c'est Paris semier? Comme si pasteur ça pas parlé, on passe Paris, c'est pas le travail? Al travail avec vous, ouais. On mette, on a le travail, on prend travail, si c'est sepet, on prend, bien que m'gede tamba prend sepet. Mais depuis m'a fait quoi moi bien tant bon fait quoi moi y a payé et surtout si y a payé pas ouais non non moi même connia on connait m'a vivre longtemps yo même yo connia alors c'est pour montrer que question tendez bien-aimé travail c'est pas dim moun pas travail mais lorsque l'homme n'a pas régénéré mes bien-aimés il fait des bagailles. C'est des noms, de manger, de boire, c'est ça le satisfait col. Mais l'homme régénéré, il a une importance à col, parce que c'est quoi pour tes noms, mais il a une importance à l'esprit de Dieu qui n'en lit. C'est-à-dire qu'il y a des êtres. L'homme régénéré, c'est un être social et un être socio-spirituel. C'est-à-dire qu'il a même importance avec vie spirituelle. Même Jean-Welte Calfon, qui a travaillé, monsieur M'tab dit nous ça là, il a un supplémentaire fontikob. Comme ça, là, il y a un petit moment là, il vient un supplémentaire pour que l'esprit li, pour le capable, eh bien, fortifier, renouveler. Dans le psaume 32, le verset 2, il dit, « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de faute. » Dans Ecclésiaste 12, verset 9, il dit, « Avant que la poussière, ou bien l'homme, retourne à la terre pour redevenir ce qu'elle était. » Et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Lorsque l'homme quitte le corps, l'esprit l'homme libre à jouer un bon Dieu. Et là, M. le pasteur Wegen a fait une intervention. À ça, c'était très important. Nous avons fait une note.
Mais bien aimé, l'homme immortel, nous connaissons ça. C'est quoi ça qui a mouru? L'homme pas qu'a mouru. Même si l'homme voulait mourir, l'homme pas mouru. L'homme immortel. Chrétien, immortel. Païen, immortel. Mais qui côté chrétien pralé? Qui côté l'homme irrégénéré a pralé? Ou bien t'as dit l'homme régénéré, qui côté le pralé? Et l'homme qui pas régénéré, qui côté le pralé? Chaque bon côté le pralé. Mais l'esprit de l'homme, ça te soufflé dans la narine l'homme, non? Eh bien, libre à joindre, mettre. Nous avons responsabilité comme l'homme. Dans Corinthiens chapitre 6, verset 18, il dit, fier la débauche, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Débauche, c'est usage excessif des plaisirs sensuels. Et nous devons arriver dans un petit partie ça qui est très très important. On nous garde là, mes bien-aimés, ensemble avec moi, je vais faire un résumé tout de suite. Et. Il dit, m'après le verset encore, dans 1 Corinthiens 6, verset 18, il dit, fier la débauche, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. C'est quoi la débauche? C'est usage excessif des plaisirs sensuels. Une personne sensuelle, ça veut dire quoi? Une personne sensuelle n'est pas forcément liée au sexe. Mais des maquillages, des habits pour attirer les regards de manière sexuelle. La sensualité est un terme qui est lié au sens pour séduire des hommes, mettre et, alors, son corps pour montrer de belles jambes, de beaux seins, pour montrer de jolies fesses avec des habits bien pincés, des jupes courtes, des habits décolletés pour attirer de nouveaux regards. La Bible dit, là nous n'en quoi. Nous prenons moun ki action moun y a fait. Le problème, c'est un problème interne qui extériorisé, certaines fois ignoramment, parce que gen moun kap fè li, c'est dans l'ignorance. Mais gen moun ki konn sa y a fait, bien. Mais si le monde ta dans l'ignorance, moun l'église pas ta dans l'ignorance. Mais gardez dans créole là moi, m'pa te lire en créole. 1 Corinthiens 6 ça pour nous ça le dit. Fia moi c'est courir, déplacer. Côté créole là. Cherchez Bible créole là pour moi dans 1 Corinthiens 6 verset 18 là. C'est mot courir, am te wè fuyer dans l'esprit moi, si yo te pa m traduire créole n'ap fonti note, m te wè c'est courir. C'est mot courir am te besoin. Eh bien, la Bible dit c'est courir pour désordre la chair. Alors désordre la chair ici dans définition, c'est pas sexualité seulement. Mais Bible dit le sens où elle a dit fuyer la débauche, quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché
est hors du corps, mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Maintenant, nous allons chercher débauche définition. C'est usage excessif de plaisir sensuel. C'est là, on met accent. Pour que nous vivions, c'est dans le sens, c'est pas seulement des actions, comme nous dit, des actes sexuels, mais c'est dans le sens qu'il y a développé. Un paquet de monde mettait jambes dehors, il m'a gagné le pas. Moi-même, moi dit, est-ce que mon église, yo, pas oublier, quand on te sort une devinante, te sort dans la mondanité. Et nous pourrons faire conclusion. Si mon l'église, si mon déyot y a fait quelque bagay yo pa koné, mais mon l'église ta doué koné. Et c'est des définitions, c'est pas des définitions imaginaires. Nous al chercher ça que les sensualités. Parce que débauche là, li dit usage excessif des plaisirs sensuels. Eh bien, nous à chercher définition sacrée et sensuelle. Eh bien, nous venons joindre, c'est pas dit forcément lié à sexe, mais livre dit maquillage, habit pour attirer les regards. Mais bien aimé, les gens n'ont pas régénéré ou bien les gens n'ont pas quitté l'esprit de Dieu maintenant. Ligue tendance pour la garder ça le monde a fait. Alors que le monde a fait un bagaille, ligue un agent cap diriger, ligue un guide. Qui ça t'a dû diriger les chrétiens? C'est l'esprit de Dieu qui t'a dû diriger. Alors que dans le monde, il y a un guide cap diriger. Et c'est là que nous te parlons de mondanité dans l'église. Il y a une église qui fait même bagaille là, ou bien il y a de l'église, c'est l'église à même, c'est comme ça, vous voyez. Net. Pourtant, peut-être qu'il ignorait ça l'affaire. Parce que Satan, le diable, c'est rusé lié. Certaines fois, il fait un monde qui travaille pour lui. Sans monde, pas connaît s'il a travaillé pour lui. Il y a des gens dans le monde qui travaillent, ils connaissent le travail pour le diable. Mais il y a des gens dans l'église qui travaillent, ils ne connaissent pas si c'est pour le diable, ils travaillent. Parce qu'il y a des gens qui font par exemple, mon marié. Il ne peut pas chercher. C'est sérieux, il ne peut pas chercher l'autre garçon. Marie, l'église, a bon à l'aise pour dire, tel c'est Marie. Eh bien, qu'on y a, sous garde pour vous, c'est 3/8. Enfin, cela veut dire qu'on peut-être vous parler de ça. Mais non, nous ne pas focus sur ça pour nous dire que nous ne pas faire. Et c'est ça qui fait nous aller dans l'esprit de l'homme qui doit régénérer. Et l'elle pas régénérer, qui dégâts qui fait dans l'homme? Parce que l'âme de l'homme, living tout pas régénéré. Si l'esprit de l'homme pas régénéré, l'âme dirait irrégénérée également. Living permet que l'homme n'a à vivre dans des ordres total. À ce moment, on a vendu son âme au diable sans le savoir. Le corps peut contaminer tout l'être. Lorsque mon n'a pas régénéré, eh bien, l'équité col vina menel konya, l'a fait bagay même lui-même, li pa ka expliquer. Sout a mandé le pou ki sa la, sa l'a fait ya, alors que li gon propre définition. Nan définition, yo bay sa, c'est pas pasteur qui écrit non. Définition, c'est définition, y'a montré moun, d'ailleurs, c'est e montré à montré moun yo, exposé, mais ça vle dit. Certaines fois, l'âme représente l'homme entier. C'est-à-dire, certaines fois, il y a parlé de l'âme, c'est de l'homme, comme nous t'ai dit ça déjà. C'est de l'homme non, totalement. Il y a parlé. Et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Dans Marc chapitre 8, verset 36, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ça veut dire que l'âme de l'homme, certaines fois, il représentait tout être là. Seigneur, non, moi, non, moi, tout être. Pas grand problème dans la prière de l'esprit et de l'âme. C'est-à-dire, pour bon Dieu, laver l'âme, laver l'esprit, laver moi. Et certaines fois,
On est allé plus loin, nous parlons de l'âme de l'homme, nous parlons du cœur de l'homme. Garde ton cœur plus que toute autre chose, de lui viennent les sources de la vie. Ici, le cœur que la Bible parle, c'est de l'âme de l'homme. C'est-à-dire, nous avons besoin vraiment vigilants et pour nous poser question, est-ce que je suis né de nouveau? Est-ce que je suis né de nouveau? On peut poser question ça. Ou même pour Kondo, et puis on va répondre à la question, hein, qu'on y a souni de nouveau, gardez des Corinthiens 5, verset 17. Si vous n'êtes pas né de nouveau, même si vous faites effort, vous avez le naturel. Parce que nous, ces mondes, nous avons fait quelques efforts. Mais nous n'avons pas de désir. Parce que depuis petite la fête, il y a les petites. Depuis le fait, il a mal nourri, il a encore, mais il est petit. C'est-à-dire, mon qui est de nouveau, il n'a pas joué l'évangile, il manque dans l'ambiance spirituelle, il manque sacré les fautements, dans la compagnie qu'il y a, il permet de sécher. Mais il est mon de nouveau. Et ça fait, il doit tomber dans l'évangile là. Eh bien, l'écrier sous étal, etc., etc., la vie, bon Dieu, renaître. Mais lorsque mon a pas né de nouveau, l'évin pipa en vie, mon d'ailleurs, ou nuil, l'a prêché l'évangile sérieux. Li plus besoin l'évangile libre. C'est-à-dire, c'est comme son un mensonge. Là, on connaît vérité à ou pas d'il. Qui raison qui fait mon a pas d'il? Est-ce que nous jamais poser question pour qui ça un pasteur pas dit vérité? Pour qui ça s'il c'est pasteur libre de vérité là? C'est pour ça là. Pas prédicateur n'a pas même besoin de prédicateur là pour dire la vérité. Tout dépend des contextes liés. Il est là pour lui prêcher la vérité. Mais quel monde? Il était venu l'église à ça que fait le pape de là. C'est parce que il tendait à parler. Peut-être il t'a parlé et des quelques bagages, c'est pas ça le terrain. Mais est-ce que ça a dit à gain du sens? Parce que ou c'est chrétien. Ça yo doit parler yo doit en rapport avec moun nous non monde chrétien son monde lié pour contre lui, c'est-à-dire un mélange entre païen et chrétien, yo c'est deux mondes différents. Alors mes bien-aimés, l'esprit de l'homme c'est lui-même qui est capable de régénérer. Lorsque l'homme n'a courbé, il accepte, il est d'accord. Jésus-Christ est venu mourir pour lui. Il dit, mon remettre la vie à Christ. Dès lors, l'Esprit de Dieu régénère l'Esprit qui est maintenant l'homme. Et il dit, c'est un gage qui est l'homme. L'Esprit est la faculté la plus élevée. Celle qui met l'homme en rapport avec Dieu, l'âme, psyché grecque, est l'élément de la vie que nous avons en commun avec les animaux. Mais la grande différence chez l'homme, cette âme est unie à un esprit immortel qui la rend intelligente et fait le siège. Quand l'esprit de l'homme en communion avec l'esprit de Dieu, il aurait pénétrer l'âme et par elle le corps. Lorsque l'esprit a régénéré, lui agit sur l'âme et maintenant l'âme agit sur le corps. C'est-à-dire, nous avons un travail pour nous faire, pour nous et bien parler et bien l'œuvre de l'esprit maintenant dans la vie de l'homme. Et moi-même, je suis obligé de camper là. Si nous avons une question, nous apprenons. Si nous n'avons pas de question, nous apprenons. Ok, je dis qu'on nous a une question. Amen.
OK. N'a pas gagné. Oui, donc frère t'a expliqué comment yon frère qui un peu âgé, j'aime t'a dit non, dans 60 à 80 ans. Donc il t'a expliqué qui va les bagailles qu'il fait dans Montréal. Avec juste parce que jeune fille t'a pé des marchés avec tirade coute sous yo 3/8. Donc li gon ti dan, li dit ti dan ça. Fait que à chaque fois que li wè jam yon fille, li seulement font ti sourire ou bien après l'exal seulement saluer yo. C'est pas comme si pas rien, non, c'était mon l'église ou même j'avais par exemple cap jouer musique dans l'église là, oui. Des fois qu'on regarde mon ouais que fi a tomber pour yo, c'est juste parce que mon n'a gon bagaille sous lit qui différent, yon vieux bagaille sous lit. Donc frère ça après, bon Dieu t'est vinn, li dit que bon Dieu t'est vinn converti. Donc il t'est vinn converti et puis après la marché ba témoigner ça. Donc mais par contre li chargé petit dans mesi l'église dans Montréal là. Donc son frère qui gan pile petit, li toujours dit ça. Donc m'pa konnen peut-être dans l'église chrétienne Lumière de Montréal il pa gen petit. Mais si gon l'église pa gen petit, c'est pas en pile. Donc nous ta prier moun yo en grâce pour yo prendre ça k'ap di a en considération. Donc question habillement, li très important pour nous veiller sous li. Donc là ça des fois c'est Jean de Baye ça on a tant qui ta pour arriver pour nous capable dire que ça pasteur a dit a c'est vrai ou bien c'est Jean d'exemple ça yo. Mais en conformer nous avec la parole de Dieu et puis nous comment ça capable faire que des fois nous obéissons sans comprendre mais grand pile bagaille de nous épanier de yo le fait que nous voulons faire volonté bon Dieu. Bon Dieu béni nous. Donc m'a posé une grande question pas avant m'aller et quoi que yo pas prier pour bête pour animal parce que yo pas gain l'esprit dans yo. Mais grand monde me songe quitter mandé papa pour te prier pour un petit chien qu'elle te gagne te malade papa m'a pas prier pour petit chien son blanc oui te mandé pas pour prier pour petit chien pour qui te malade et puis papa m'a pas prier pour petit chien te vienne mourir dame ça te tout ennemi à papa m'pour ça. Donc qui ça yon moun ta de faire, est-ce que yon moun ka prier pour un bête ou non? Alors un bête moi même prier pour un bête ça dépend même si bête pas gagne salut par exemple si m'gon bœuf là c'est qu'il c'est comment mon qui a gardé bœuf yolier c'est éleveur mier bête là c'est jardin qu'on ouais mon qu'on a prié pour la pluie tomber mon qui pas gagne arrosage yo et qui t'a dit bon tu fais faire récolte poisson parce que nous prier pour toute bagaille moi gagne droit te gon chien tout animal et puis li mal utile c'est compagne et puis li malade il me dit bon Dieu fait grâce c'est pas dans le sens moi prier pour son âme parce qu'elle n'est pas gagné non comme moi prier pour mon maison animaux chat là son compagnie et puis il est malade il me dit bon Dieu fait grâce avec lui pour me gagner pour compagnie là toujours là mais c'est pas pour son âme c'est pour le guérir pour me t'aimer le guérir pour lui vivre quoi si moi même qui te connais prier pour cabrit moi même te connais prier j'ai appris monde et m'a prié bon Dieu pour chien pas manger vienne manger cabrit moi yo me prier pour bon Dieu protéger cabrit moi c'est eux même qui était et gardinage moi et cetera comprendre moi même c'est mon même fait nas moi mettre dans de l'eau descendre et puis me prier bon Dieu pour de l'eau pas prendre ça laver nas moi quelque chose comme ça venir me prier pour toute bagarre bon question passe oui alors vous satisfait maître oui
Question pas maintenant. Alors, on a pensé avec Animo et tout. Alors, Maestro Gintan posé un volet dans la question que m'a posé. Mais, question pas maintenant. Et, il a toujours dit, alors, nous pas manger sans bête. Et puis, bête qui tout fait, il a dit que c'est, alors, c'est ça me déconner. C'est nom bête là, il dit c'est pour ça, pour nous pas manger sans bête et puis pas manger bête qui tout fait. Parce que m'te toujours qu'on ouais depuis longtemps, depuis gon poule qui mourit. Si m'en pas courir, gen tan coupé cool. Donc, li jete l. Qu'on y a m'ta remè koné, et qui ça la Bible dit et qui ça ça fait dans sans ça. Alors nous manger ça. Moi m'pas dit mon al manger ça non. Mais moun ki mange hot dog manje ça. Moun ki mange salami ou manje ça. Moun ki mange oui, tout ça yo. Tout ça yo moulin, de vous donner le moulin hein, nous manje ça. Ou manger sans ou pas manger sans, pas gon rapport avec l'âme, la vie éternelle ou nan manger. Qui ça apporte Paul dit sous bagay ça? Moi même je dois pas manger sans par rapport à un monde. Moi même pas manger sans, me lever, je ne pas manger sans, puis je pas manger sans, si je suis bête, je jete sans, pas manger sans. Et puis, même si je suis un monde frissant, je pas manger sans. Mais ça pas un rapport avec l'âme. Comme si la vie spirituelle moins si manger sans et puis manger nom tant que on dit moi manger nom bête là et puis qu'on y a combien dans moi vinn gen dans moi de ce fait si yon moun qu'on y a li dit ah manger sans son bagay ki bagay oui et puis moi m'pa pral di m'ap manger l au contraire li crainte pour pas manger sans et bien qu'il fait le comme ça. C'est comme bête qui sacrifie aux idoles ou bien bail qui vend dans marché. Apôtre Paul dit ou dans marché hein, ou pas douter ou acheter parce que tout ça bail ou prier ou souli ou manger. Mais quand il y a un monde d'où bête ça ou a pas acheter, il sacrifie aux idoles oui, pas acheter. Quand pour qu'il soit pas acheter, c'est pas pour tête ou pas acheter. Parce que monde dans l'idée déjà douter, d'ailleurs bon était même bon pour chrétien, peut-être ça ou elle douter bon pour pas chrétien encore. Il dit oh, a pas l'acheter bête bail sacrifier aux idoles. Et puis, je me dis ça, et c'est quand même mon pasteur, bon Dieu. À cause de mon ça, je me dis, ah, et c'est vrai, merci beaucoup, ma sœur. Mais en ce qui concerne sang, ça n'a pas de rapport avec nous, en ce qui concerne sang bête là, la vie bête là, c'est dans le sang lié. La vie même, c'est dans le sang. La vie de l'homme, la vie de bête, c'est dans le sang. Mais en ce qui concerne manger sans poule, sans bagaille, et m'en pile moun manger sans, yon pas même tenir compte si c'est sans yon manger. Et en plus, même poule yon tuye, li gen kek ti bay sans la dan. Même si yon te tuye, tout sans pas tombe, mais li pas décrasse net vrai. Viande n'a pas décrasse sans totalement. Parce que si sans c'est ton poison, on pas manger viande même. Zéro. Parce que inévitablement le gonti sans la dan. Ou pas ka manger viande qui pas gen sans kreté la dan. Poule pas de gonti sans. Hein? Oui. C'est-à-dire, non, zoa li gont, ça veut dire, gontissant, si son poison li yon bagay kap infecté ou, quand même, quel que soit jont a fait, finalement, ou ap manje, yon tisan, vraiment pas gen rapport, son moun manje san, pour salut li, pour la vie éternelle li, pour communion avec Dieu, etc. Et divé sous sa kap sot nan bouche, nous pas sa kap entre nan vente, nous kap souye l'homme nan, mais plutôt c'est sa kap sorti nan bouche nan. Question en ligne. C'est, alors, bien aimé, amende pour ta reprendre l'homme immortel, là, dit l'homme pas mourir. Hein. Quitte les chrétiens, pas chrétiens, pas si c'est ça. S'il vous plaît, pasteur, est-ce qu'on va reprendre l'homme immortel là pour moi? L'homme, alors, bien aimé, merci pour la question. L'homme, même s'il est chrétien, même s'il n'est pas chrétien, l'homme pape mourit. Sa bon Dieu te soufflé dans Adam, le souffle de Dieu qui fait l'homme vin en âme vivante. L'homme n'a régénéré, c'est-à-dire physiquement, l'homme a mourit,
mais spirituellement l'homme nan pas mouri. Cela veut dire que l'homme nan li chrétien li la ressuscité pour la bonheur éternel, li pas chrétien la ressuscité également pour aller dans la mort, ça crée la mort éternelle, mais c'est pas un mort physique là pied dans la haine ou bien la souffrance éternelle. C'est-à-dire l'homme quel que soit appartenance monan, li pa mouri, c'est-à-dire l'homme nan pas fait pour mourir, l'homme nan fait pour le vivre éternellement. C'est-à-dire li choisi Christ, l'a vivre dans le bonheur éternel. L'ol quitté comme ça. Li pas choisi Christ, l'a vivre malheureusement éternel, c'est-à-dire l'a toujours vivre l'homme pas détruit comme en gain quelques religions, m'pa citer qui dit c'est détruit a détruit l'homme nan. Avec l'homme n'a pas détruit, pas existant encore. Non, l'homme a toujours, ça non pas ouais. Ça bon Dieu te soufflé dans la rine de l'homme nan, qui fait l'homme nan, une âme vivante, une âme vivante disons, eh bien l'a toujours été éternellement. Et c'est la question et m'pas connait. Si m'ta pour ton petit mise au point tout petit, donc mon nan en tant que humain l'a mouri, tout monde a mouri, c'est pour oui, ça c'est pour le corps. Mais pour les deux parties spirituelles, ça y est, pas mourir. C'est ça, pasteur dit, hein, qui c'est la mort éternelle. Côté que, on dit silence, s'il vous plaît. Côté que, mon nom, physiquement, tout le monde a mouru. Spirituellement, mon nom est mouru parce que, depuis mon nom pas de relation avec bon Dieu, mon nom pas de Christ, nous sommes qui spirituellement qui mourir, qui pas aucune relation. Qu'on y a, les mon nom mourir physiquement, le mourir spirituellement, mon ça eh bien éternellement il prend dans une situation que il prend souffrir éternellement, ça fait là il pas mort parce que c'est vrai il nous dit la mort éternelle, mais il prend vraiment il prend vivre douleur ça vraiment eh bien éternellement. Et c'est ça qui fait quitte les chrétien pas chrétien, il prend passer éternité soit lui dans le bienheureux ou bien il prend vraiment vivre malheureusement parce que ça t'est dans l'homme qui était vrai l'homme dans l'esprit, hein, eh bien yo c'est des parties éternelles et c'est même qui vrai nous même et yo pas qu'à mourir. Alors quitte mon nan li mourir sans Christ, li mourir avec Christ, li pral éternellement, soit le pral réduit ou bien le pral vraiment li pral dans la souffrance. Merci pasteur pour ajouter un petit mot encore dans ça. Pour qui ça yo dit la mort éternelle, c'est parce que l'homme nan pas fait pour se séparer avec Dieu éternellement. C'est parce que l'homme qui mourit, qui pas régénéré, l'a séparé avec Dieu éternellement. C'est pourquoi il dit l'homme nan li mourit éternellement parce que li séparé de Dieu. C'est pourquoi dans le jardin d'Éden, lorsque bon Dieu te dit souman yé fruit, wap mouri, et la mort ça te pas la mort physique li te on la mort spirituelle. Lorsque il te dit si ou mange fruit, wap mouri. C'est pas la mort physique, yo te manger fruit, ou pas te mourir physiquement. Yo te mourir spirituellement parce que vinn te séparer de Dieu. Et mais là yo vinn faire référence, yo dit l'homme nan, l'a mourir. S'il mourir spirituellement, l'a mourir éternellement, cela veut dire que l'a séparer de Dieu éternellement alors que l'homme n'a pas fait pour te séparer éternellement avec Dieu. C'est Cassandra. Si ça me t'avait dit, c'est ok. Moi, même temps de toutes questions, yo, par rapport à ce bail sans. On m'a dit en français. Ok. Je vois qu'il y a plein de questions qui a été posées concernant boisson, bête là, tout ceci, tout cela. Yo dit, il y a des gens qui disent comme ça, non, faut qu'on pas faire parce que c'est pas correct. Il y a l'autre qui dit, mais c'est correct. Personnellement. Moi, je trouve qu'on est beaucoup trop. On est beaucoup dans la doctrine là. Là, ça a comme pas rapport vraiment avec la vie spirituelle vraiment. Là, c'est vraiment des rajouts. Moi, je trouve qu'on complexifie un petit peu trop les choses là. C'est comme. Prends ça quand même assez simple. L'éternel, il n'est pas compliqué là. D'ailleurs, bibliquement parlant, si on prend les 10 commandements, il est tellement simple qu'il l'a mis en. Littéralement en deux là. En deux, il a mis le 10 commandements en deux. Donc, on simplifie les choses là, parce que ça fait mounio pète du fait que
il y a peut-être des temps de comme ça, oui, faut pas manger ça, faut pas manger ceci, oui, mais faut pas manger telle viande, faut pas manger ceci. À un moment donné, c'est comme c'est un peu trop là, c'est comme faut diminuer un petit peu aussi, faut vivre, hein. On est sur la terre, il faut vivre également parce que si nous tant des mounio, si nous tant des toute doctrine ça, nous pas manger rien, nous pas habiller avec rien, nous pas faire rien dans la vie, ça faut que nous vivre. Imaginez nous pas vivre, n'a monter dans le ciel là. Et puis bon Dieu, gros, ça me bat jamais te dit nous pour nous faire tel bail, tel bail, tel bail. Sauf que nous ne doit pas regretter. Mais ça dit aller vraiment ça a un sens. Donc moi ça me t'a dit c'est juste aime l'Éternel de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et le deuxième qui le ressemble c'est aimer les autres comme soi-même. Donc, depuis que tu respectes ça, tu es correct. Là, à fait, doctrine, c'est l'homme techniquement qui l'a mis. Ça, c'est mon point de vue. Passe. Et concernant sang, d'ab juste promotion, on croit toujours dit, et médicalement parlant, sang, ligue, puis le microbe là-dedans. Nous comptons ça tout? Oui, nous comptons si ça. Si tu as passé pour un monde là, tu as pris un tout. Parce que nous comptons de le toko du Master Duo. Oui, alors, gain des viandes. Gain de bagay c'est pour la santé et nous c'est moun moi pas manger toute bagay tout mais c'est pas prêcher comme si me pral prêcher pas manger ceci pas manger cela pas manger bossi pas manger l'autre mais moi on vinn là qui l'aime vinn là vinn moi pas gagner m'a manger encore là c'est principe que mon bail tête moi j'avais dit m'a privé tout mon a chercher bagay à manger moi-même mon corps et puis encore ça qui est là ou quoi tout habitude ou va aller le prendre même besoin ou une pas besoin. T'as l'homme non, ou le gain l'heure te qu'on levé, ou bah tête ou l'autre levé a, et puis c'est l'heure garder joie pour ouvrir dans l'heure pour lever. Ou gain bagay gain l'heure pas manger, quoi adapté avec pas manger. Gon l'heure besoin bien, quoi c'est comme si m'dadou son appareil lié qui fonctionne. De ce fait, moi même que pas manger, me gain l'heure pas manger et cetera. Ça c'est moins. Mais c'est pas vinn prendre vinn prêcher, garder sous ceci ou bagay c'est même pas mettre nan ba la kon sa moun yo un peu libre ça qui en rapport à la parole de Dieu qui vinn font et fait moi enseigner ça la Bible dit c'est-à-dire même j'en dit à sœur Cassandra y a dit mettez l'ordre pas manger ceci pas manger cela non par exemple gen côté yo dit ou pas manger cochon on pas dit moun manger cochon en plus gon paquet de graisse et cetera et cetera mais alors dit ou manger cochon ça pas souillé ou mais gon ba ou te dit non deux commandements. Là nous vinn chrétien, nous avons plus que 10 commandements. Maintenant nous pas obéi les commandements de Dieu pas c'est pas amour qu'on y a. Mais là nous tellement de commandements moi plus que 100 combien commandements. C'est-à-dire tout ça bon Dieu mandé pour ne pas faire le vignon commandement. Maintenant c'est pas comme longtemps ça t'est. Nous vinn la loi de l'esprit habiter dans nous, l'ivine permet volontairement ou bien c'est avec un pile vif désir nous envie obéir ça bon Dieu dit. Cela veut dire que ça bon Dieu mandé pour nous faire yo, nous vinn envie faire yo mais ça l'homme mité ou bien quelque bagaille, yo jugé yo dit sous manger viande cochon pas dit pas l'homme mais sauver dans bagaille ça. Pas dit si mettez rad coton, m'pa sauver. Puis mette tel rad, m'pap sauve. Et m'bral don bagay. Gon paquet bagay yo di ki sot en bas la main. Moi même, est-ce que m'ap di se menti ou pas sot en bas la main? Mais moi même, gen verse la Bible qui dit. M'konne rad son en belle chemise ou bien belle costume en si, en bas ki profonde la main fait? M'ba konne. Peut-être yo wet ti bagay yo di yo fait en bas la main, mais gros bagay yo. Si Satan le diable de gen pour voir ça, li kap fait costume, bien costume, sa m'en men yo, et puis mette yo la pour moi, pour mette pour m'ka bagay. Non. Satan le diable capable fait yo en pile bagaille capable tirer monde. Satan le diable fait yo vrai oui. Mais moi même qui serviteur de Dieu moi et ça fait si moi l'écrit à Zacharie ou l'imba mettre. On doit pas mettre. Mais si l'écrit allant yo écrit non petit côté m'pa ka wel dans poche. Bon, mi on m'a vu regarder expertise dans l'envers ou bien dans Saint Isaac qui Gazaka qui écrit en dedans. Moi ignorer les choses cachées moi légué à l'Éternel, c'est ça révélé au ca moi. Les films bawe la zaka moi même prendre le mettre d'ailleurs il sanctifier rad moi il sanctifier manger m'a manger dans le nom de Jésus me prendre manger de ce fait qu'on y a qui effet rad moi gain pour le faire sur l'autre monde c'est là nous t'a parlé là
pour qui ça mette, les mette yon rad, qui pense qui mette tout comme paraît de yon par rapport avec moun, et tandis que kounya qui attire sans moun. Maintenant kounya la Bible dit non, pas fait ça. Même si ça azak a te fel ou bien ou gang te fel, maintenant la Bible dit ça a pas mette. Mais li pas ta fel comme ça. Ou kon pou moun l'église, Satan le diable ta fait rad long. Belle rad long pour ta missionnaire, parce que depuis si on mette rad la sou, ou tout pour li, c'est pas qu'elle a pas arrivé comme ça. On mette rad long, on mette rad qui en conformité à la parole de Dieu, pour qui ça l'aime mette ti rad kout la, li capable attirer regard. Moi même pas moun kap chercher regard. Même si son sœur chrétienne, moi même pour qu'on marie, mais moi gon jan, parce que nous gagnons pour nous former les jeunes sœurs, nous gagnons dans comportement, etc. Pour nous montrer, pour nous montrer comment, parce que nous avons besoin de gonger sous, par exemple, quand on fait la bagay, pour mettre comme soeur pour la bagay. Mais ce n'est pas rad qui sous qui peut regarder. Lorsque là, ce n'est pas ça. Et d'ailleurs, quand on rad ou mettre sous, c'est ça pour mon frère, c'est Chanel. Ça veut dire, ça n'a pas un rapport. En ce qui concerne un rad ou à mettre sous, ou quand mettre une belle chemise bien propre sous, c'est Satan qui te doit coudre tout. C'est Satan qui te doit faire pour mettre sous. Mais moi-même qui mette chemise moi sanctifiée au nom de Jésus. C'est-à-dire, je vais mettre chemise moi, mettre chemise moi pour me pas sembler. D'ailleurs, je dois mettre belle costume, je dois mettre belle chemise. C'est pas pour m'attirer mon pour ouais, c'est moi plus bordé, non. Mais comme petit bon Dieu tout décemment, mon pape marcher tout pour marcher toucher le boulier. Ça un chrétien. Ah c'est vous ça me pas bien un chrétien. Alors pour David dans état non. Je ne vais pas ni dans l'autre là, je ne vais pas de bail. C'est comme ça, rad la yé ou bien ça ou ap manger ou sentir, ça ou voulez manger ou manger, eh bien, ou manger sans douter. Mais si vous doutez, vous dites, est-ce que je vais mettre quitté? Mais si vous pas douter ou sentir libre, vous priez sous manger, parce que ça ne va pas désanctifier, il ne va pas sanctifier, il ne va pas sanctifier, ou manger, il va aller côté la léal. Mais les bagailles qui santé, ça c'est vous-même qui connaissez à faire santé, à prendre. C'est aussi libre que ça. Nous pas entrer dans la religion, c'est Cassandra. Si nous avons l'autre question, nous n'apprenons pas l'autre question. Oui. OK. Gen bagay ki attire mauvais esprit même dans ça mon ap mete. Ki attire mauvais esprit. Gen bagay ou mete la kayou, li attire mauvais esprit. Mauvais esprit ki sa lié. C'est un esprit lié, li gen droit aller rete dans bagay ça là. Le fait qu'il senti peut-être moun taka a pleuvil. Et ça faut esprit al nan pied bois. Là dans cimetière la long wash. L'aller certaines fois mon yo cap prier bon esprit la vrai ou bien plusieurs esprits la vrai koto est aller dès que doit porte que esprit puis esprit vient habiter et c'est esprit lié gen bagay tant que tableau puis encore le chrétien mais bien aimé et puis profond que ça l'esprit de Dieu a maintenant bon finalement c'est l'esprit de Dieu qui enseigne mon pour mener mon enfin oui même extravagance mon a fait gen moun li doué skal doué cheve dans tête li. Pour qui ça pour le café mon ouel passer s'il passer là et il connait alvin pas qu'à dormir il pas qu'à fonctionner il pas qu'à bagaille dans faire mon ouel pourtant c'est mon l'église non ou faire son café ou pas besoin entrer dans bagaille ou pas qu'à dormir pour acheter ceci pour acheter cela pour acheter l'autre bord ou plein c'est gen moun qui même ouel pas qu'à ouel bagaille tellement bon gen moun c'est comme ça dans son mauvais esprit fait la paix d'acheter il t'a acheté bagaille là réacheter là encore tellement l'a pas acheté et pourtant il était qu'à fond l'autre bail, il était qu'à bailler pour l'œuvre de Dieu, et puis il y a un paquet de monde qui n'a mis à Haïti, il était qu'à aider l'autre monde, mais non, l'acheter ou pas même besoin. Cela veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui besoin de mener, qui pour faire vivre la vie. Vous comprenez? Pour faire vivre la vie. Moi, j'ai besoin de machine, moi, je dois acheter une bonne machine. Pourquoi ça m'achète une machine à cher? Ce n'est pas parce qu'elle est chère, m'acheter une bonne machine. Pourquoi j'ai besoin, ouais, m'dis, bah, moi, c'est pas parce que j'ai une machine, m'acheter 100 000 $. Non, moi, m'acheter une bonne machine. Moi-même, ce n'est pas machine 100 000 $ qui intéresse, mais je dois m'acheter une bonne machine. Ça pas un problème tout le temps, il y a une possibilité de m'acheter une bonne machine. Mais quand il y a, ce n'est pas parce que je suis frère et
et c'est Denise. Vous comprenez? Li gen une machine moi-même tout envie bay pam nan pou monnaie et qu'il plaît qu'il tonne m pa kite vin bat moi là comme si ak vin a machine ça moi m'a vin avec pam nan là bon paquet de bagaille là c'est chrétien ou pas rentrer là dedans ni moi me penser ça bon pour ou, pour la gloire de Dieu que Seigneur bénisse nous bien-aimés. Amen. Amen. Bon Dieu bénisse nous. Voilà Dieu. Nous comptons encore pour le moment ça à Soya, nous bénissons bon Dieu. Et comme Maïsou Richard Abdili, nous comptons à Soya. Oui, bien aimé nous qui l'a volu.